Puissance 7. J'aimerais remercier le Dieu de Papa Florian pour la protection qu'il m'a accordée. Je vais le remercier. Comme chaque samedi, avant d'aller à mon match, je fais une petite prière auprès de mon sanctuaire. Et ce samedi-là, j'ai pas manqué de le faire, je l'ai fait. Je suis parti à mon sanctuaire. Et il y a une voix qui insistait sur le fait que je fasse une offrande pour la construction. La voix insistait, elle insistait. Moi-même, d'abord, j'avais prévu faire l'offrande pour la construction. Une petite offrande au moins pour la construction. Mais ce samedi-là, la voix insistait tellement que je me suis dit, ah bon, j'ai pas de ressources, j'ai pas de fonds sur ma carte de crédit. Comment le faire? Si je le fais après, comment je vais commencer? C'est l'homme après tout, commencer à raisonner un peu. Ben, d'un côté de ma tête, il y a une voix qui me dit fais pour 50, il y a une voix qui me dit fais pour 100. J'étais là, je luttais avec la voix, je luttais. Bon. Mais la voix qui me dit fait pour 100 était plus forte au fait. Donc j'ai obéi à la voix. J'ai obéi à la voix. Et immédiatement, j'ai pris mon téléphone, fait le transfert à ma soeur. Je lui ai dit, va à l'église et fais l'offrande pour la construction. Moi, pour moi, j'ai fait l'offrande pour que Dieu me donne des opportunités encore, pour qu'il me propulse vers l'avant dans ma carrière. Tout ça. Mais je ne savais pas qu'il allait faire une chose extraordinaire ce jour-là. Me protéger. Et ce Dieu-là m'a protégé ce jour-là. Je partais au match, quand on était au match, moi et mon coéquipier, moi je partais sur le ballon, c'était une balle de duel au fait. Il y avait un adversaire, je partais sur le ballon et mon coéquipier lui aussi il partait. Moi je ne l'ai pas vu venir, moi je partais, j'avais les yeux fixés sur le ballon. Et lui m'a ramassé, il m'a pris par l'arrière. Mon coéquipier m'a pris par l'arrière et il est tombé sur mon bras. J'ai des douleurs, mais c'est le Vitaco liquide que lorsque je suis revenu à la maison, j'ai appliqué. Et la douleur s'est dissipée. Je ressens un peu de douleur, mais c'est pas grave. Je remercie le Dieu de Papa Florian pour cela, de m'avoir protégé contre cette blessure. Si j'étais blessé, j'ai pris une fracture. J'allais faire des mois sans jouer. Je remercie ce Dieu-là, ce Dieu puissant et fort, incomparable. Je le remercie encore. Et profiter encore de cette antenne et puis pour dire merci à Dieu encore pour notre témoignage. Dire merci à Dieu. Parce que lorsque je suis arrivé au Canada ici, lorsque je suis arrivé, j'ai joué au bas niveau. J'ai joué à un bas niveau. Pas un très très bas, mais un bas niveau. La troisième division. En moins d'un an, en un an, moins d'un an, le Dieu de Papa Florian a permis que je joue en PLSQ, en Ligue 1 du Québec, le plus haut niveau du Québec, en Ligue 1 du Québec, semi-pro. Je voulais remercier ce Dieu-là encore pour cette faveur. Oui, je voulais remercier ce Dieu-là encore pour cette faveur. Il y a des personnes qui ont fait 10 ans, il y a des personnes qui ont fait 5 ans ici, même au Canada, qui n'arrivent pas à jouer même à ce niveau-là. Qui n'arrive même pas à avoir l'opportunité de jouer à ces niveaux-là. Mais je remercie le Dieu de Papa Florian de m'avoir permis de jouer à ce niveau-là. Et je sais que il fera plus grand. J'ai la ferme conviction. Comme le dit le pédagogue, je ne le crois pas, mais je suis convaincu. Moi, je suis convaincu que Papa, ton Dieu, il a déjà fait. Et je prie qu'il me donne une signature en CPL. Là, en ce moment, Père Papa, moi et ton Dieu, on se verra. Quand je dis on se verra, papa, tu sais de quoi je parle. Oui, une offrande conséquente par rapport à la construction. Oui, on a de quoi encore à faire. On a du boulot à faire encore. Il y a Bassam, il y a tout. On a du boulot à faire encore. Papa, que ton Dieu efface cette faveur-là encore, le signer en CPL. Et en ce moment-là, on se verra. Oui. Merci encore à ton Dieu, qu'il te remplisse davantage, papa. Qu'il te remplisse encore fort, fort, fort davantage, éternel. Oui, et on se verra. On reste scotché au Dieu de papa Florian. On reste accroché, car avec ce Dieu-là,
fera des exploits. Et j'aimerais donner un conseil à mes frères et sœurs, à mes grands frères, à mes petits frères, à mes mamans et à mes papas du chemin du ciel. Ne résistez jamais à l'Esprit de Dieu. Ne résistez jamais à l'Esprit de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur, votre esprit à l'Esprit de Dieu. Non. Soyez comme un vent. Soyez comme une feuille du moins. La feuille, elle se laisse toujours diriger par le vent. Elle se laisse toujours diriger par le vent. Si vous êtes une feuille, si vous êtes une feuille au chemin du ciel, la feuille qui se laisse conduire par le vent, si vous vous laissez diriger par le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais de problème. Vous n'aurez jamais de problème. Vous n'aurez jamais de problème. Ce jour-là, si j'avais résisté à l'Esprit de Dieu, si je n'étais pas comme cette feuille qui se laisse guider par le vent, je ne sortirais pas indemne de ce coup-là. Ouais, je ne sortirais pas indemne. Mais parce que j'ai obéi à la voix de Dieu, j'ai obéi à l'Esprit de Dieu, Dieu m'a épargné. J'aimerais donner ce conseil-là à quelqu'un. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu comme un gouvernail, comme une feuille qui se laisse diriger par le vent. Oui. Puissance, feu.